Fidèles de notre magazine des lettres et des arts, bonsoir. Et merci de nous retrouver pour vivre en une soixantaine de minutes la formule que nous vous proposons ce soir. Il s'agit d'un duplex entre la librairie Star, où je me trouve en ce moment pour présenter pratiquement le quart de cette émission, et la librairie L'Harmattan, où se trouve notre invité, propriétaire des lieux, mais aussi auteur de ce livre, Colline de la Caserne, que le professeur Kwangvi Kwokuvi se fera le plaisir de décortiquer aux côtés de l'auteur, pour nous, pour vous. Jerry Tama, c'est de ce militaire écrivain, éditeur et blogueur qu'il s'agit. Bonsoir à vous, Jerry, depuis la librairie L'Harmattan. Bonsoir. Bonsoir également à vous, professeur. Bonsoir. Eh bien, nous vous retrouverons tout à l'heure pour aller au fond de ces 5 nouvelles et en fin de mission, poursuivre un commentaire du professeur Kwangvi Kwokuvi sur le récent ouvrage de pédagogie appliquée de Victor José Afanou intitulé « La réforme du système éducatif africain pour l'autonomie et le développement ». Mais avant, je vous propose de faire la connaissance d'un cahier tout à fait spécial qui se reconnaît par son étiquette. L'acquisition de la belle écriture, cahier méthodique Manou et Chefi. C'est un tout nouvel ouvrage d'éducation pratique et méthodique à la belle écriture. Il rappelle un certain nombre de bonnes manières aux enseignants, alphabétiseurs et parents d'élèves. C'est le fruit d'un intense travail de recherche de Yves Yao Bruno Bassa. Ce qui frappe à première vue lorsqu'on prend ce cahier méthodique, ce sont la première de couverture ainsi que les noms Manou et Chefi. Un peu pour rappeler le Mamadou Ebunota de ces années qui, chargé de souvenirs aussi beaux pour certains que douloureux pour d'autres, rendent nostalgiques plus d'un. Parmi eux, Yves Bruno Yao Bassa, un répétiteur invétéré qui en a vu de toutes les couleurs depuis 30 ans au moins, tant et si bien qu'il n'a jamais plus voulu démordre de cette fonction. Un sacerdoce, peut-être, mais c'est à partir de l'histoire vraie de Manou et Chefi que toute l'histoire de ce cahier a commencé. C'était en 1999 où mes deux meilleurs élèves, Manou et Chefi, sont de retour de l'Europe. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit rien, toujours avec les cours. Ils m'ont dit fais quelque chose avec tes techniques de travail. J'ai dit bon, je vais commencer par les écritures. Ils ont dit ah bravo, tonton B, tu nous as appris à écrire bien. Donc fais ça, nous allons voir si nous pouvons t'aider. C'est de là que j'ai commencé à faire des recherches. D'abord, j'ai été au ministère pour voir à peu près le nombre d'élèves dans les classes CP. Alors j'ai vu l'effectif, j'ai fait les enquêtes auprès des enseignants, voir quelles sont les difficultés qu'ils trouvent, surtout au cours des leçons d'écriture. Cela m'a dit que c'est difficile, surtout avec un effectif prétorique. De 80 à 100 dans une classe. Alors je leur ai dit, je vais vous proposer un cahier. Si vous êtes d'accord, je vais essayer de l'éditer. Et ensemble, nous allons voir ce que nous pouvons faire. De là, j'ai eu le courage, depuis 89 jusqu'à 2011, mon œuvre, l'acquisition de la belle écriture est sortie, vu les difficultés. Vu les problèmes, au moins à présent, il y a quelques élèves sur le territoire togolais qui utilisent mon œuvre. L'objectif est très grand. Parce que mes cours ne s'arrêtaient pas seulement à l'école primaire. Mes cours de répétition, je le fais jusqu'en classe de terminale. Donc j'ai assez d'œuvres à présenter, à faciliter le travail des enfants. Il y a un proverbe africain qui dit: une fois que vous êtes mordu par un serpent, en voyant un ver de terre, il faut le craindre. J'en ai fait quelque chose aussi. Pareil, je l'ai laissé. Actuellement, c'est sur le marché. Ça, c'est dans le domaine d'assistance. Dans cette fois-ci, je me méfie beaucoup. Donc, actuellement, nous les vendons dans les établissements. Les œuvres ne sont pas dans les librairies. Vous ne les trouverez pas. Donc, si l'État
arrive à nous donner l'autorisation, je pense que l'année prochaine, nous pouvons nous approcher des imprimeries de la place et faire nos dépôts. Ouvrage méthodique d'initiation pratique, fruit d'un travail de recherche qui présente et propose pour les CPE une version améliorée en 2 tomes de 26 pages chacune. Grâce à nous tous, pris individuellement et parce que nous l'aurons encouragé, l'expérience devra se poursuivre bientôt avec les CP2 et pour notre plus grand bonheur. Sur cette longue route, il nous est rappelé que ce qu'un enfant découvre est aussi important pour sa croissance que ce qu'il mange. Voilà, messieurs, du côté de la librairie de l'Harmattan, eh bien, nous attendons vos réactions par rapport à ce nouveau produit pédagogique. D'abord, vous, professeur, quels sont les problèmes et difficultés auxquels vous étiez confrontés et que pourrait résoudre a priori cet ouvrage à la base? Oui, le premier problème, c'est l'orthographe. Pas la bonne compréhension du concept, mais la manière d'écrire. Puisque graphène, en grec, c'est écrire. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque l'élève écrit mal, ça indispose le correcteur. Vous avez des gens qui écrivent presque sur la ligne à l'examen, et il faut vraiment une loupe pour déchiffrer ce qu'ils écrivent. Vous ne passerez pas très longtemps sur une telle copie. Si vous déchiffrez les grandes idées, vous passez à une autre copie. Donc l'avantage du travail de M. Bassa, c'est que bien qu'il n'y ait plus de plumes comme pendant l'époque coloniale, il apprend à l'enfant à faire les pleins, les déliés avec le bic. Et c'est un avantage parce que quelquefois on a besoin d'une bonne écriture. À l'embauche, chaque fois qu'on vous demande manuscrit, il faut savoir que c'est d'une part pour voir votre graphie et d'autre part, quelquefois, pour détecter votre caractère. Donc c'est très important, l'écriture. Et je pense que c'est un ouvrage qui va beaucoup aider les enfants. Et vous, Jerry, en tant que spécialiste de l'informatique, quelle réaction avez-vous? J'ai toujours pensé que nous sommes en train d'avancer tellement dans l'ère du numérique qu'aujourd'hui, les enfants déjà, hein, j'en vois des enfants à 7-8 ans qui ont des portables, des téléphones portables, et que la graphie n'a plus d'importance jusqu'au jour où, étant chef d'entreprise, ben, il m'arrive régulièrement d'ailleurs de voir les demandes d'embauche ou bien de stage, et je me suis rendu compte, sans même faire attention, que je donnais un avis, j'avais une idée de la personne à travers la lettre qu'elle m'envoyait. Et donc on se rend compte que malgré qu'aujourd'hui l'écriture manuscrite prend de moins en moins de place dans notre société, il n'en reste pas moins que la personne qui ne sait pas bien écrire réduit ses chances de réussite dans la société. Donc c'est très important et je félicite réellement l'auteur de cet ouvrage qui a recommandé après tous les parents et sans aucun doute aux professeurs et à tous les enseignants dans tous les établissements. Pour paraphraser M. Amela Kossi-Nicolas, inspecteur émérite de l'éducation nationale qui a préfacé cet ouvrage, eh bien, souhaitons que son aventure soit très belle et qu'elle effectue une randonnée sans frontières avec le label best-seller. Plein feu à présent sur la librairie L'Harmattan où nous retrouverons l'auteur de cet ouvrage phare des débats de ce soir. Dans la foulée pour mémoire, voici en rediffusion avec Aimé Abalo le reportage qui nous situe cette librairie dans le concert de toute cette qui existe déjà depuis quelque temps sur la place. Plus besoin d'aller jusqu'à Paris pour publier chez L'Harmattan. La maison d'édition s'est délocalisée depuis quelques mois dans la capitale togolaise. Son promoteur, cet officier de l'armée togolaise, lui-même homme de lettres et auteur de 2 ouvrages. Une maison d'édition qui est en même temps une librairie. Nous sommes une filiale de l'Harmattan France, donc ce qui fait que nous, au fait, le nom, c'est l'Harmattan Togo, puisque nous restons quand même une filiale de la maison mère. Ayant vu la difficulté, moi personnellement, que j'avais eue pour faire sortir mon livre, je me suis permis de tout faire pour mettre en place cette librairie, qui est en même temps une maison d'édition. Dans les rayons de la librairie, 80% des livres sont imprimés, évidemment, chez l'Harmattan. On y trouve des livres de recherche,
des essais, des romans, des publications pour la jeunesse et même des livres d'occasion. Car l'approche est peu mercantiliste. Nous apportons deux choses. D'abord, la réduction de coûts. La négociation que nous avons faite avec les éditions L'Harmattan, c'est justement de leur dire, nous sommes dans un pays à très faible niveau de vue, il faut tout faire pour que nous, sur place, on puisse vendre les livres à moitié de leur prix. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des livres ici que vous ne trouverez dans aucune autre librairie, parce que nous sommes plutôt spécialisés L'Harmattan. Situé sur le boulevard du 13 janvier à Lomé, le kiosque fait aussi quelques incursions dans le bureautique, le scolaire et la presse, en vue de satisfaire une clientèle au goût diversifié. L'accueil, il est chaleureux, très décent même. Je suis passée dans une autre librairie, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais je passe ici pour la première fois pour avoir des livres pour ma fille. Voilà, j'ai acheté de petits contes, c'est elle qui a choisi. Enfin, voici à peu près une chenille pas comme les autres, Isako et le mystère du coffret, Ofana et le papier en bleu. Les chercheurs et auteurs togolais peuvent désormais saisir cette aubaine pour publier sur place à Lomé. Et leurs œuvres auront le privilège d'être distribuées sur tout le réseau de L'Harmattan de par le monde. Chronique de la caserne aujourd'hui, en 2011, parcours de combattant hier, il y a pratiquement 4 ou 5 ans déjà. Dans la logique de l'évolution, il serait bon de revoir à quoi ressemblait le bout de l'ancienne corde. Parcours de combattant. Rappel en résumé. Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer? Un proverbe zoulou, mais aussi une toile de fond sur laquelle se tisse ce roman d'aventure. Un pays imaginaire coincé entre le Soudan, l'Ouganda, Djibouti et la mer Rouge. Le Kigouland, il s'appelle. Des noms si proches de la réalité, mais si loin d'elle, sans aucune ressemblance avec les authentiques, John Garang, Museveni, Laurent Désiré Kabila ou El Béchir. Des personnages tout aussi mythiques qu'imaginaires, d'où émerge Jérôme de Bercenay, lieutenant déployé comme casque bleu sur cette terre, à la végétation de ce qui n'est plus la terra incognita. Officier français, il est éperdument épris d'Aurore Bitimoukou, alias Rose ou Mouziga. 22 ans, étudiante en maîtrise de droit, à la féminité exubérante et l'entêtement démesuré. L'affaire sortie de ce trou en guerre est plus qu'une gageure. Jérôme va compter sur l'aide de son camarade de promotion, le lieutenant Ousmane Bayoko, alias Ousba, numéro 2 des services secrets kigoulandais. Saint-Syrien de Kouet Guidam comme de Bercenay, c'est Bayoko qui, au cours d'une opération, a tué Jacob Bitibogou, le professeur sécessionniste, principal opposant du président nouvellement élu après des consultations douteuses. Une bavure apparemment, mais elle lui hante l'esprit sans arrêt. Aurore a été témoin de l'assassinat. Jacob était son père. Certes, la négresse reporte pleinement aux Français l'amour que ce dernier lui voue. Mais il n'est nullement question de quitter Massara tant que l'ami de son amour, mais aussi assassin de son géniteur, est encore en vie. Comment se racheter? Bah devra se résoudre à protéger la fille de sa victime au risque de se voir à tout prix envoyé au cimetière par cette dernière. Un décor d'acteurs aussi surprenants les uns que les autres. S'y ajoute Madame de Fernandez, une portugaise acariâtre, médecin proche de Makele, le nouveau locataire de la présidence, et distante de l'affreux, un général gouailleur. À la limite du cynisme, l'officier supérieur rappelle à qui veut l'entendre que les sentiments ne sont pas les meilleurs outils du métier des armes. Parcours de combattant, un très beau texte qui sent le vécu sur 245 pages. Le désir contenu, la fraternité des combats entraîne au constat de la bêtise de l'individu devant le gâchis des vies humaines anéanties pour rien. L'amour paraît ici être le seul vainqueur, mais nous sommes en Afrique et cet amour-là, à l'instar du paludisme, laisse à la bouche un inévitable arrière-goût amer. Une question, Jerry, avant de laisser la parole à M. Kouakouvi. Comme le dit l'adage, est-ce que vous confirmez que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Mais non, je pense que c'est beaucoup plus. C'est deux cordes qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont de même nature. Mais j'ai toujours cru que c'est mieux avoir deux cordes
pour grimper, parce que bon, ben, j'ai une formation quand même, hein, telle que vous savez. Parce que quand il y a une corde qui se casse, on peut toujours s'appuyer sur la deuxième. Donc c'est beaucoup plus la corde de soutien, hein, que constitue cet ouvrage-là, même si le registre est à peu près le même. Alors une précision, Jerry, Parcours de combattant a été publié par l'édition L'Harmattan que vous représentez ici au Togo. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, c'est à vous, professeur, pour cuisiner en griffe, Jerry. Oui, bonsoir, monsieur Jerry Tama. Bonsoir. Et j'ai été très enchanté de parcourir les chroniques de la caserne parce que ça donne une vue de l'armée côté jardin. Parce que nous avons une vue de l'armée côté rue et ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous allons voir tout à l'heure en parcourant l'ouvrage comment cette vérité peut se vérifier. D'abord pour les sigles, CENI chez vous, ça n'a rien à voir avec les élections. C'est le Centre national d'instruction de CARA. Hein. Donc il y a beaucoup de sigles et ça permet au lecteur de rentrer un peu dans votre jargon. Ce que nous n'allons pas faire nécessairement parce que tout le monde ne comprend pas ce jargon-là. Mais nous allons essayer de prendre une ou deux questions par chronique, et ce qui nous permet, au prime abord, lorsque nous partons du journal du jeune homme Vincent Sérigné, nous avons l'impression qu'il y a une corrélation entre la famille, la carrière qu'un militaire peut faire et puis la manière dont il peut acquérir les grades. Est-ce que cette description que nous avons de la France peut être vérifiée également en Afrique, voire au Togo? Oui, bien sûr. Ce que j'ai toujours dit, c'est que le militaire est avant tout un membre de la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il n'est pas ex nihilo, c'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, qui a un père, une mère, qui a un enfant, qui a une femme et qui a des enfants. Et partant, ben, les corrélations, bien les différentes relations qu'il va avoir avec cette sphère privée vont jouer aussi de façon sérieuse sur sa carrière. C'est-à-dire que si vous avez une femme qui a peut-être des entrées dans certains milieux, ben, peut-être votre carrière va être boostée. Si vous avez une femme qui est aussi apparentée à certains milieux, vous allez avoir une carrière qui va en souffrir. Je me souviens qu'il y a autrefois, hein, dans l'armée togolaise, l'officier qui revient de sa formation, par exemple en Russie ou bien en France, avec une blanche, c'était pas bien vu. Et ces personnes-là pouvaient voir sa carrière ou bien certains postes de responsabilité qui ne le seront pas donnés en fonction de cette relation-là. Donc une interrelation sphère privée, familiale et carrière qui est réelle et qui continue même à nos jours dans beaucoup de milieux. Oui, on peut dire que c'est une réalité humaine, en ce sens que même au Vatican, lorsque un neveu de cardinal cherche du travail et qu'il a une lettre de recommandation du cardinal, ça facilite son embauche. Quelquefois, ça peut handicaper, et quand je dis cela, je pense à la faculté de médecine, où nous avons à chaque rentrée beaucoup d'enfants de médecins. Vous savez qu'à la faculté de médecine, il y a trois moyennes. Une moyenne pour passer en classe supérieure, une moyenne pour doubler et une troisième pour être éjecté. Mais vous ne me croirez pas, parmi les éjectés, il y a souvent des enfants de médecins parce que le savoir n'est pas héréditaire. Bien sûr. Et à partir de là, on ne peut pas dire qu'un fils de militaire ou un petit-fils de militaire ferait nécessairement un bon militaire. Ça, c'est pour la chronique du journal de Vincent Sérigné, qui est une très belle histoire de père à fils quand même, parce que lorsque l'enfant reproduit le père de bonne manière, ça satisfait tout le monde. C'est lorsque le père ne se reconnaît pas dans le fils qu'il y a souvent un problème. Maintenant, nous allons passer à la meilleure chronique d'après moi, le second mari, parce que là, nous avons un problème de culture africaine.
les Européens ne dégusteront pas assez cette chronique-là comme les Africains, parce qu'il s'agit d'adultère. Et une fois que l'adultère est consommé, il y a un artifice ou un maléfice qui va avec, c'est que les deux amants sont collés et ne se dessoudent plus. Donc c'est une histoire que l'on raconte souvent en Afrique. Il paraîtrait même qu'à Ben, vous pouvez avoir une tête de chien mystique qui peut vous mettre au moulin lorsque vous allez visiter la femme d'autrui. Donc je pense que c'est des choses qui arrivent, mais l'aspect artifice de la chronique, c'est la manière de la stratégie de l'approche de la famille. J'ai beaucoup aimé cette stratégie-là parce que c'est toute une aventure élaborée, bien conçue, qui a porté ses fruits. Malheureusement, le dé était pipé, il y avait un piège à la fin. Et le fait de mourir et de recontinuer aussi n'est pas mal du tout. Nous rentrons de plein pied dans la caserne côté jardin. Pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude, ce que la chronique dit nous décrit l'armée de l'intérieur. Nous, nous ne voyons que les gaz lacrymogènes, les coups de bâton, les matraques, les boucliers. Mais là, nous avons, je dirais, une généralisation abusive désamorcée. Est-ce que vous avez la même impression? Parce que d'après nous, nous pensons que dans le camp militaire, il y a exécution avant réclamation, quel que soit le grade, quel que soit l'officier, quel que soit l'exécutant. Non, je pense que la discipline et l'ordre étant fait partie des fondamentaux. Hein. Oui. C'est ça qui fait la force des armées. Mais aujourd'hui, il y a des paramètres. On dit souvent dans l'armée que c'est le terrain qui commande. Oui. C'est-à-dire que si on vous donne une mission, en fonction de votre niveau, bien entendu, de responsabilité, vous avez la capacité de vous adapter, d'une part au terrain, et d'autre part au contexte. Oui. Si vous êtes, vous faites une intervention en ville, ce n'est pas la même réalité que quand vous faites une intervention en race campagne. Donc, quand on dit exécution avant réclamation, c'est bien qu'on est installé en temps de paix dans la caserne, mais quand on part sur le théâtre d'opération, il est évident qu'on ne va pas mettre 3 ans à former par exemple un officier, parce que c'est le temps que ça prend pour former un officier, pour qu'il soit uniquement un robot qui exécute bêtement ou bien de façon mécanique ce qu'on lui donne, parce que quand il va être sur le terrain, c'est son instinct, c'est son jugement, c'est son appréciation des risques et des menaces qui vont faire qu'il va réagir souvent telle ou telle façon. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes sur le terrain, c'est à vous de dire, ok, voilà ce que je suis, où je suis, voilà ce que je vois, voilà ce que je veux faire. Et éventuellement, si c'est quelque chose qu'on fait qui sorte un peu de normes ou bien qui est très important, là, vous avez besoin d'obtenir l'aval avant de le faire. Sinon, ben, vous recevez une mission globale et puis vous l'appliquez sur le terrain. Oui, il y a une autre question qui me brûle la langue, la mitraillette intelligente. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Quelquefois, on dit la baïonnette intelligente. Oui, la baïonnette intelligente, je pense que nous sommes aujourd'hui de plein pied dedans. Hein. C'est-à-dire, le droit international humanitaire, surtout, consacre un principe fondamental, c'est que nul ne peut plus s'abriter derrière les ordres reçus pour accomplir des actes de violation des droits de l'homme. On ne peut plus dire, comme on pouvait le dire dans les années 80, « Ah, mais moi, j'ai reçu des ordres. » Non. C'est pourquoi la formation, et surtout la formation sur le droit international humanitaire, est très, très, très poussée. Même dans notre armée, hein, il y a beaucoup de modules qui tiennent là-dessus pour dire on ne peut plus dire non, moi j'ai reçu des ordres. Vous ne pouvez plus aller commettre des actes de violation des droits de l'homme, okay, des actes de génocide, des droits de viol, tout ça, en disant ben non, en fait, c'est les ordres qu'on nous a donnés. Donc, c'est pourquoi on parle de baïonnette intelligente. Donc, en ce qui concerne l'armée, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on a reçu des ordres. On est pleinement responsable autant que la personne qui a donné les ordres. On entend souvent dire que l'armée togolaise est très performante à l'extérieur. Lorsque nos militaires vont en mission au Tchad, en Côte d'Ivoire et ailleurs, ils ne reçoivent que des félicitations. Alors, où se situerait, et c'est là l'aspect pernicieux de la question, ce décalage
entre la performance externe de nos militaires et la performance calamiteuse interne de nos militaires. Non, je pense que bon, là, on fait peut-être référence donc à la quatrième nouvelle hein, qui s'appelle des choix difficiles. Les choix difficiles. Je l'ai toujours dit, c'est que en réalité, les militaires, c'est depuis les années 90 que ça commence à changer. Et non, les années 2000 que ça commence à changer en Afrique. Les militaires n'ont pas vocation à faire des missions de maintien de l'ordre. Oui. Ok. Donc, mais quand dans ça n'a rien à voir avec l'armée togolaise. Vous prenez l'armée américaine au Vietnam. Oui. Ok. Vous prenez l'armée américaine en Irak. Ben chaque fois une fois que la paix est établie, on dit ok, d'accord, la guerre est arrêtée. Chaque fois que les militaires vont faire des missions de maintien de l'ordre, ben ils se plantent. Parce que justement, ils n'ont pas vocation à le faire. Je le dis toujours, quand on donne ce qu'on appelle dans l'armée l'ordre initial, dans l'ordre initial, donc c'est l'ordre qu'on va donner à une section, c'est l'unité de base, la première rubrique c'est situation ennemie. Ok ? Et le militaire dit oui, l'ennemi il est où ? Maintenant, quand vous arrivez sur un terrain civil, et on dit, bon, ben écoutez, on ne peut plus dire situation ennemie parce qu'il n'y a pas d'ennemi, mais c'est que ben, dans la tête, on dit, ben, où est l'ennemi ? Et si on fait aujourd'hui le parallèle, hein, je le dis toujours, ben jusqu'à dans les années 2007, on envoyait les militaires pour faire du maintien d'ordre, il y avait des bavures. Depuis 2007, on envoie les gendarmes et les policiers, il y a sans aucun doute moins de bavures. De toute façon, on déplore moins de pertes en vies humaines, ou on n'en déplore même plus. Hein. Depuis 2007, on n'a plus de pertes en vies humaines liées au maintien de l'ordre. Ben, donc, maintien de l'ordre, non. Mais maintenant, quand les militaires togolais sortent à l'extérieur, moi, je l'ai fait, j'ai été déployé en Côte d'Ivoire en 2004. On fait de maintien de la paix. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. Les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Et on l'a toujours dit, il y a une grosse discipline quand même dans l'armée togolaise. On arrive quand même à montrer cette discipline. Et puis, on arrive quand même à montrer une certaine présence devant le danger. Ouais. Je me souviendrai toujours de cette situation où il y a eu un village qui a été attaqué. Et puis, bon, ben... Moi, avec quelques officiers, on a dit, on veut aller pour porter main forte à nos éléments qui étaient là. Et on arrivait, on a rencontré d'autres militaires, d'autres corps, je ne donnerai pas les pays, mais qui étaient en train de détaler, qui quittaient la zone de combat. Donc, oui, je pense qu'on a quand même, on est plutôt aguerri et que bon, c'est plutôt de bonne guerre hein, d'ailleurs, qu'on soit oui. Comme ça et qu'on ait cette belle reconnaissance-là à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est de bonne guerre aujourd'hui qu'on a laissé les forces de première et deuxième catégorie, à savoir la police et la gendarmerie, s'occuper du maintien d'ordre. C'est pour ça qu'elles sont formées et c'est pour ça, de toute façon, qu'ils sont payés. Oui. Il y a une très belle phrase dans les chroniques que j'ai aimée. Hein, les blindés ne font pas le maintien de l'ordre. Non. Je crois que les journalistes gagneraient à faire ressortir cette phrase-là. Parce que, comme vous venez de le dire, le maintien de l'ordre se fait uniquement avec la police d'abord. Quand elle est débordée, on passe à la gendarmerie. L'armée n'a pas pour vocation de faire maintenir l'ordre. C'est très, très, très rare. Sauf en cas d'état d'urgence. Oui, cas d'état d'urgence, ces deux premiers corps sont débordés. Voilà. Là, on passe à l'armée. Maintenant, nous avons un deuxième aspect culturel que j'ai détecté dans la chronique, c'est... la médiumnité, là où vous écrivez la lettre à Voltaire et Baudelaire, je pense que c'est bon lorsqu'on est écrivain de ne pas trop être tourné hors de sa culture, parce que dans notre culture on peut interroger les morts. Beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais ça fait partie de notre culture et ce n'est pas propre à l'Afrique, puisque un grand monsieur comme Victor Hugo pratiquait le spiritisme. Et c'est très bon de lire la réponse de Baudelaire, tandis que Voltaire a été trop expéditif à mon avis, mais les lecteurs découvriront que c'est une possibilité qui a comme médium quand même l'Internet, parce que l'Internet est une porte ouverte surtout. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est de Sabine que vient l'idée, ou bien c'est de vous-même, cette histoire d'interroger les morts par intermédiaire de l'ordinateur et de l'Internet. Cette nouvelle-là, c'est assez curieux, mais je l'ai écrite, c'est l'une des nouvelles les plus anciennes, parce que je l'ai même écrite avant de rentrer dans l'armée. Okay. Et ensuite, c'est que j'avais envie de montrer une chose, elle a une portée un peu philosophique, parce que je voulais dire que on a une tendance
obsessionnel en Afrique a dit toujours que la faute nous victimiser. Okay? Donc je voulais dire qu'il faut qu'on se prenne en charge, mais il fallait que je trouve une bonne formule. Et cette formule-là, c'est faire intervenir des gens qui ne sont plus. Et comme il faut vivre dans son temps, hein, aujourd'hui, si on veut consulter des morts, aujourd'hui, on fait tout avec Internet. Donc l'idée qu'on puisse interroger les morts, je vais peut-être au moins un jour monter un site Internet comme ça. L'idée qu'on puisse interroger les morts en passant par Internet, en leur voyant notre désidérata qui répondent, j'ai trouvé que ça faisait très bien avec notre moment. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, c'est qu'au même moment, on a des réalités africaines qu'il faut accepter, qu'il faut assumer. Et ça me paraissait intéressant comme ça de dire, parce que c'est des pratiques qui existent, hein, on va dans certains, même à Lomé ici, il y a des gens qui vont vous dire, ok, il y a certains choses que ta maman devait te dire, elle n'a pas eu le temps de te le dire, bon ben c'est l'occasion, elle va te le dire. Donc j'ai utilisé cette croyance populaire là pour faire passer un message qui à mon sens était très important, il faut que nous les Africains, on cultive notre jardin. Ça a été la réponse de Bolder en disant « Oublie-moi avec tes histoires d'identité et tout ça. » Mais bon, cultive ton jardin, quoi. Il faut se mettre au travail. Et puis bon, ben, la réussite ne vient que par le travail, par la culture de son jardin. Oui, surtout à l'endroit de la jeunesse. Parce que cette jeunesse tourne trop tôt le dos à notre culture pour aller épouser d'autres choses. Alors que le concept de l'immortalité de l'âme fait que nous gardons notre individualité définitivement et éternellement. Hein. Ce n'est pas de la publicité que je fais pour les médiums, mais c'est une bonne chronique. Après cela, nous avons des clins d'œil à la démocratie. Hein. Ça, c'est extra correspondance. Parce que, vous l'avez bien évoqué, on a l'impression que la démocratie nous est imposé du dehors. C'est une idée qui court les cocotiers à Lomé. Hein. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans les casernes ou bien c'est votre réflexion personnelle? Bon, mais la démocratie, on ne fait pas la démocratie dans les casernes. C'est ça. Nous vivons, c'est-à-dire que non, quand je dis on ne fait pas la démocratie dans les casernes, il ne faut pas dire que nous vivons dans un... Il y a le régime supra qui peut être celui qu'il est. En règle générale, les militaires ne faisant pas la politique, donc au fait... Qu'on soit dans un régime monarchique, que ce soit dans un régime présidentiel, que ce soit dans un régime parlementaire, et j'en passe des meilleurs, l'essentiel c'est que les militaires ont besoin d'ordre qu'on leur donne et les exécute. Donc c'est pourquoi on dit l'armée c'est pas la démocratie, parce qu'on ne commence pas à dire oui, pourquoi, la cause de pourquoi. Mais le petit clin d'œil que j'ai fait, c'est qu'on a l'impression, là on revient un peu plus à des considérations plus généralistes, on a l'impression que tout ce qui arrive à l'Afrique ne vient que de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a été colonisé, ça c'est une réalité. Après, on a eu l'indépendance, on a eu l'impression que cette indépendance-là nous a été octroyée. Après les indépendances, on a fait l'exercice, on a fait l'expérience des régimes, on va dire, soit despotiques ou bien autocratiques. Et tout le monde a dit oui, mais tous ces régimes-là nous ont été imposés de l'extérieur. On a dit que la plupart de ces autocrates étaient des hommes de paille de l'Occident. Et à partir des années 90, on a dit, ok, pourquoi on parle du vent de l'Est? Pourquoi on ne parlerait pas du vent de l'Afrique? Donc on a l'impression qu'en fait, même la démocratie que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, elle vient de quelque part et que finalement, quand on s'y prend, c'est que en fait, les Africains ne produisent rien. Donc c'est un peu ce que j'essaie de décrire en disant, on a l'impression que tout ce qui nous arrive, c'est la... Voilà, c'est-à-dire que pour la littérature justement, quand il y avait la colonisation, ben, nous les écrivains, on se plaignait des affres de la colonisation. On a eu les partis uniques. On s'est plaint des affres des partis uniques. Ben maintenant, on a la démocratie qui dit le gouvernement du peuple pour le peuple. Et là, on est un peu emmerdé quand même. Excusez-moi l'expression. Parce que bon, ben, si c'est le peuple même qui se gouverne, maintenant, on va se plaindre de qui? Donc, c'est là où le jeune officier donc écrit une lettre à Baudelaire en disant ben, donnez-moi une source d'inspiration parce que là... on est supposé être en démocratie, et si on est en démocratie, c'est que c'est le peuple qui gouverne le peuple, et on ne peut plus se plaindre, on ne peut plus se plaindre de l'imposition ou bien de la coercition d'une puissance étrangère. Oui, l'explication dédouane l'armée en ce sens que lorsqu'on dit cela, c'est pour inciter le lecteur à une autonomie de réflexion et une autonomie de comportement, au lieu d'imiter autrui indéfiniment.
dans l'esprit de la chronique du second mari, il y a l'esprit engourdisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, cet esprit-là, qui vous a visité sur votre lit d'hôpital, hein? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? L'engourdisseur, en tout cas, moi, dans ma culture, je suis maghrébin, hein, dans ma culture, ça existe. C'est-à-dire qu'on l'appelle engourdisseur ou bien esprit appuyeur. Oui. Je ne sais pas si ça existe dans toutes les cultures togolaises, mais c'est une sorte d'esprit qui vient pendant que vous dormez. Parfois, vous ne dormez pas complètement et vous avez l'impression subitement que vous n'avez plus la capacité de mouvoir, vous n'avez plus la motricité. Oui. Au fait, parfois, vous retrouvez, vous êtes éveillé, mais aucun membre ne peut bouger. Et moi, je sais que dans ma culture Naouda, on connaît même les gens qui envoient l'esprit engourdisseur. Et parfois, bon, ben, en fonction de ce pourquoi vous croyez, quand l'esprit parle, vous pouvez prier ou bien vous pouvez maudire. Parfois, la personne qui t'est va lui dire que toi, là, si tu m'envoies, que c'est encore là. Donc, c'est quelque chose qui existe dans ma culture. Je pense que ça existe dans d'autres cultures, ouais. Même si scientifiquement, ça s'explique souvent par une sorte de grosse fatigue qui fait que... Ouais. On n'arrive plus à réagir. Et donc, j'ai un peu mis en scène hein, cet esprit-là pour amener donc, le couple qui était soudé à trouver une issue. Bon, maintenant, pour l'issue, je pense que certains lecteurs vont bien s'y reconnaître. Parce que vous écrivez. Il y a ceux qui conçoivent et ceux qui pratiquent. Voilà. Ça fait trois équipes différentes. Nous allons passer maintenant à la caverne du dragon. C'est-à-dire que le titre a l'air un peu trompeur, mais quand on lit la chronique, on s'aperçoit qu'il y a interrelation entre le grand-père qui a fait l'armée en France et le petit-fils qui part, est-ce qu'on peut appeler ça un heureux hasard ou un mauvais hasard, rencontre le même commandant sur un autre site où l'enjeu n'est plus le même. Et je crois que le grand-père serait très content, outre-tombe, de n'avoir pas perdu le temps de vous avoir raconté cette histoire, cet épisode de cette guerre contre les Allemands, qui, comme tout le monde le sait, comme il le dit si bien également, aime les hauteurs. Ils étaient à Kamina, donc Kamina, ce n'est pas dans la vallée, c'est en hauteur, ça leur permet de voir arriver. Mais ce qu'il y a de pathétique là-dedans, c'est que c'est le même Marseille qui est monté en grade, qui a connu votre grand-père que vous rencontrez. Et lui aussi s'étonne du nom, mais bon, il se dit, mais est-ce que c'est une coïncidence? Malheureusement, vous n'avez pas le temps de dialoguer pour remonter avec lui. Est-ce que vous avez eu le temps quand même après ou bien non, ça s'arrête à la manière dont la chronique se termine? C'est fait exprès. En fait, comme vous le dites, hein, l'histoire est à ceci de particulier que des personnes qui font la Première Guerre mondiale, avec toutes les affres, à l'époque, les troupes noires étaient considérées comme de la chair à canon. Oui. Donc, il y a la plupart des batailles qui sont relatées dedans ont existé. Donc, au fait, des Noirs se retrouvent un moment à deux doigts de faire emporter la victoire parce qu'ils se retrouvent, ils tombent sur un tunnel, le tunnel est fait sortir derrière les lignes allemandes. Et si on exploite cette brèche-là, au fait, puisque c'est sur la grande bataille de chemin des dames, on peut arrêter la guerre en ce moment-là. Mais on se dit, non, pourquoi est-ce qu'on laisserait les Noirs être à l'origine de la fin de la guerre? Donc, on ne va pas les chercher. Et il y a donc ce Marseille-là qui avait... qui étaient les hommes justes, hein, qui avaient une relation franche avec donc mon grand-père, qui va les chercher. Et puis bon, au retour, ils reçoivent un obus de trucs. Et puis bon, voilà. Et l'histoire se répète presque un demi-siècle plus tard, où moi, donc, en ce moment-là, puisque dans le livre, j'ai l'écrit à la première personne, je me retrouve, ce que j'ai fait réellement, sur le théâtre d'opération en Côte d'Ivoire. On est pris en piège quelque part avec les rebelles dans la zone de confiance. Et puis, bon, au moment où ça veut dégénérer complètement, on se rend compte tout simplement que mon grand-père, qui avait rencontré, qui avait connu donc, un Ivoirien qui s'appelait Diallo, et qui
qui m'a raconté l'histoire, dont les autres aussi ont raconté l'histoire de leur petit-fils, on se rend compte qu'au fait, le rebelle, il s'appelle Diallo, moi, je m'appelle Tamera, et Marcel est là. Donc, au fait, les trois petits-fils se retrouvent sur le même point, et au moment où on veut déclencher les hostilités, ben, l'un demande, ben, est-ce que tu es Marcel de la caserne des dragons? L'autre dit oui, et puis Diallo, ben, Diallo aussi la caserne des dragons, l'autre dit oui, et puis bon, ça s'arrête là. Donc, la rencontre, elle est tellement mystérieuse que j'aurais sans aucun doute galvaudé l'histoire si j'étais rentré dans les détails de est-ce que les gens se rencontrent. On a l'impression qu'il y a eu la main de nos grands-pères qui est arrivée et qui a permis d'éviter le drame. Parce que bon, ben, il y aurait eu un coup, seul coup de feu dans cette histoire-là que bon, on ne sait pas combien de personnes auraient survécu. Voilà, nous sommes ainsi arrivés dans le parcours des chroniques. Je recommande l'ouvrage aux Togolais surtout, pour qu'ils sachent que dans la caserne, il n'y a pas que les gourdineurs, il y a des gens qui écrivent et qui écrivent de belles choses. Donc, je pense que du côté de nous deux, nous avons fait le tour du début jusqu'à la dernière chronique. Maintenant, il m'a ravi, si vous avez des questions, je vous cède le plateau. J'ai juste deux questions à dire. La toute première, d'abord, ce recueil est publié aux éditions Mofi, qu'il dirige au Togo, alors que le précédent ouvrage est publié aux éditions L'Harmattan, qu'il représente au Togo. Alors comment s'est fait la reconversion, ou du moins la conversion, cette transition, ce que je peux appeler une mutation? Est-ce qu'il y a eu des concessions? Si oui, lesquelles et comment? Quelques concessions. La première, c'est que bon, ben, on dit l'habitude vient en mangeant, hein, donc l'appétit vient en mangeant. Mon premier bouquin, et Parcours de combattants, est sorti aux éditions L'Harmattan, donc il a reçu un prix d'ailleurs. Et donc j'ai ressenti ce besoin-là de donner la chance que j'ai eue à d'autres Togolais en mettant en place une maison d'édition. Donc moi j'ai fait sortir le livre parce que j'avais des relations à Paris. C'est pas tout le monde qui a ces relations-là, donc il fallait que je puisse avoir la capacité de donner cette chance-là. Et c'est d'où m'est venue l'idée de monter les éditions Mofi, qui ont publié depuis trois livres. L'expérience de Mofi aidant, Harmattan s'est intéressé à l'expérience de Mofi en disant ben, on n'a pas de point Harmattan au Togo, pourquoi ne pas mettre en place un point Harmattan au Togo? Donc on a fait beaucoup de travaux et du coup, au bout d'une année, on a compris qu'on pouvait harmoniser nos positions et mettre en place une antenne des éditions Harmattan au Togo, d'où l'existence donc de cette librairie. Et aujourd'hui, donc, j'ai quitté l'Harmattan, je suis venu publier aux éditions Mofi parce que les livres que je faisais sortir aux éditions Mofi étaient moins chers. Parcours de combattants coûtait, je pense, dans l'ordre de 15 000. Chroniques de la caserne coûte dans l'ordre de 6 000. Donc, il y a quand même une différence du simple au triple. Et depuis qu'on a eu maintenant de nouvelles accords avec les éditions L'Harmattan, on arrive quand même à présenter les livres au même coût que ceux des éditions Mofi. Êtes-vous en train de nous faire comprendre que désormais, vous continuerez de publier vos ouvrages avec cette édition? Oui, je pense que c'est très important que nous, un peuple du sud et d'Afrique, on puisse créer nos propres structures qui, sans aucun doute, peuvent rivaliser même avec les structures internationales. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, nous pouvons facilement y arriver. Les éditions Mofi, aujourd'hui, ça fait maintenant une année qu'elles sont là. Elles se portent bien. Nous sommes en train de monter même une rubrique qui va être beaucoup plus populaire, c'est-à-dire que publier beaucoup plus d'ouvrages, on va dire, populaires, qui très faciles à lire et surtout d'un coup plus intéressant pour le public togolais. Et donc nous sommes dans cette dynamique-là. Et on va sans aucun doute faire sortir trois ou quatre livres. Il faut savoir par exemple que ben, Parcours de combattants qui est sorti aux éditions L'Harmattan, ben, après nous avons rediscuté compte tenu de ce besoin-là d'avoir des livres qui sortent des maisons d'édition africaines, dont nous avons rediscuté. Ils ont été très sympas, ils ont accepté. Donc, Parcours de combattants, après être sorti aux éditions L'Harmattan, est ressorti, a été réédité aux éditions de Mofi. C'est pourquoi aujourd'hui, on a quand même deux éditions de Parcours de combattants, aux éditions L'Harmattan et puis aux éditions Mofi. Parlant toujours d'édition et en restant dans un même environnement, le boulevard du 13 janvier, mais seulement à 100 mètres environ de la librairie L'Harmattan et donc des éditions Mofi, voilà le siège des éditions Graines de Pensée.
Après plusieurs dépliants entièrement proposés, elles viennent d'innover en publiant le premier catalogue du genre dans le domaine. Objectif, mieux se faire connaître certes, mais surtout avoir une idée plus précise du travail accompli à l'endroit des lecteurs, premiers bénéficiaires. Notre production n'était pas importante, donc nous avions fait jusqu'à présent des dépliants. Mais actuellement, nous avons près d'une cinquantaine de titres dans notre catalogue. Et c'est pour ça que nous avons tenu donc à faire un catalogue de toutes nos publications. Donc ça permet aux auteurs, au public et surtout aux libraires de prendre connaissance de la production éditoriale d'une maison d'édition et de passer des commandes. Nous avons autour d'une cinquantaine de titres dans le catalogue. Mais particulièrement cette année 2012, nous avons produit 12 ouvrages. L'ouvrage de Feu à toutes ses agoblies, le roman de l'indépendance. Nous avons sorti également l'ouvrage historique de M. Ngbona Babaka Birega, chef traditionnel des Losso. Le roman de Sami Tchak, qui a été d'abord publié aux nouvelles éditions africaines. Nous l'avons repris pour le publier en Mina. Ça pour titre Nyonuda Fogwe. Et dans la langue de l'auteur qui est le thème Aluwa Sangari. Donc c'est la première fois qu'il y a des publications de romans en Mina et puis en thème. Nous avons également publié le troisième roman de Essaouede Ouagba, La balade des misères. La dédicace n'a pas encore eu lieu, elle se fera l'année prochaine. Nous avons publié également le deuxième roman de Daniel Lawson Body, Damas, un recueil de poèmes de Didier Amelavi, Aude Nouvelle. Et la particularité aussi, c'est que nous ne publions pas uniquement des auteurs togolais. Donc nous avons publié en coédition le roman de Mongo Betty, Trop de soleil tue l'amour. Nous avons racheté les droits avec d'autres maisons pour avoir une publication à prix réduit. Donc le roman sera vendu au Togo à 2500 francs, alors qu'à l'origine, paru en France, devait coûter dans les 15 euros. Nous avons publié également un auteur sud-africain, Mandela et moi. L'auteur, c'est Lewis Nkosi, donc c'est un ouvrage très intéressant, un roman. Nous avons publié aussi deux ouvrages sur l'OADA. Donc ceux qui n'aiment pas les romans ou bien la littérature, ils ont aussi des ouvrages de formation à acheter dans les librairies de la place. Nous avons publié également des ouvrages parascolaires. Le livre du maître, le livre de l'élève, Business English for Intermediate Learners, c'est fait par Anita Santos parce que s'est rendu compte que dans l'enseignement technique, les élèves n'arrivaient pas à parler l'anglais. Donc elle a une nouvelle approche pour que les enfants qui sont dans l'enseignement technique arrivent à parler davantage l'anglais par le biais donc, de ces trois ouvrages donc, qu'elle a produits. Nous préparons également des ouvrages des annales pour le CPD parce que bon, c'est pas tous les enfants qui arrivent à avoir des livres de classe, donc les annales pour préparer les examens, donc ça leur permet de travailler à la maison avec les parents ou avec les répétiteurs. Ce catalogue sera envoyé un peu partout. Nous participons à des foires où nous les distribuons. Et quand nous ne pouvons pas participer à ces foires, donc les catalogues sont quand même présents dans les stands des associations, que ce soit au niveau du Togo ou des autres pays. Je pense qu'il y a nécessité donc, d'inciter dès le bas âge les enfants à lire pour qu'ils aient cette habitude de lecture et que les parents aussi. C'est vrai que nous sommes en période de fête. Il n'y a pas seulement les jouets, les jolies robes ou pantalons ou chaussures, mais il faut donner l'habitude aux enfants aussi d'avoir un livre. Parce que le livre, c'est un cadeau éternel et puis bon, c'est un compagnon pour la vie. Nous allons terminer cette émission, comme nous l'avions annoncé dans l'introduction, avec l'ouvrage spécialisé de Victor José Afanou, ingénieur industriel en électronique à Bruxelles, en Belgique, agrégé en sciences de l'éducation. Le titre, La réforme du système éducatif africain pour l'autonomie et le développement continental. L'ouvrage est publié aux éditions L'Harmattan, comme par hasard. Quel rapport existe-t-il entre instruction et développement? Sont-ils interdépendants? Professeur Kwakuvi, dites-nous si oui ou non l'ouvrage est un véritable outil éducatif. Et précisez-nous par la même occasion où se trouve la pertinence de l'instruction africanisée
dont nous parle l'auteur dans cet ouvrage. Oui, l'idée de M. Afanou est très ingénieuse, en ce sens que les Togolais savent très bien qu'en 1975, le Togo a mis sur pied une réforme scolaire. Et tout le monde en pense du bien, à l'exception que on n'a pas mis l'argent qu'il fallait pour mettre en pratique cette réforme-là. Donc l'idée de M. Afanou est très pertinente parce que le développement va avec ce que nous appelons aujourd'hui les biotopes et les écosystèmes. Notre milieu dans lequel nous vivons, ce n'est pas l'Indonésie, ce n'est pas l'Antarctique, c'est le Togo, c'est un milieu tropical. Il y a une demoiselle indésirable qu'on appelle l'anophèle, qui cause beaucoup de ravages. Et dire qu'il y a une corrélation entre l'instruction et le développement, c'est tout simplement inciter les politiques à penser au fait que si le Japon et l'Allemagne sont deux économies fortes aujourd'hui, c'est qu'ils se sont appuyés sur leur instruction et leur éducation après avoir perdu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout est à revoir en Afrique, du salaire des instituteurs jusqu'à l'émolument des chercheurs, parce que sans ce coût-là, on ne peut pas avoir d'innovation. Parce que lorsque vous prenez la plus simple des entreprises culturelles comme publier un ouvrage, il faut de l'argent. Maintenant, vous prenez le problème à l'échelle de toute une nation, et si la politique ne finance pas la recherche, les innovations et le coût de l'éducation, le développement ne peut pas être au rendez-vous. L'innovation vient de la recherche et de l'instruction, et c'est par l'innovation que l'humanité avance, par essai et erreur. Donc nous ne pouvons pas être des consommateurs indéfiniment, hein. Nous devons nécessairement prendre en charge notre milieu. Je donne un seul exemple. Il y a des tas de plantes pour combattre le paludisme en Afrique. Il suffirait seulement que l'Union africaine inventorie ces plantes-là, les léophilise et donne de l'argent pour qu'on en fasse soit des plantes léophilisées, soit des comprimés, soit des drogues à boire. Vous verrez qu'on n'aura pas besoin de commander des médicaments hors d'Afrique pour combattre le paludisme. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas investir sur l'éducation. C'est-à-dire que si sur une échelle de 1 à 100, s'il faut investir, le domaine dans lequel on doit le plus investir, c'est l'éducation, parce que c'est de là que vont sortir les futurs acteurs. Si vous avez des gens qui ne sont pas suffisamment formés, qui ne sont pas suffisamment instruits, qui ne sont pas suffisamment au courant des enjeux, on ne peut pas en faire des acteurs de développement. Donc, je pense que pour moi, la question de des réformes, je ne parle même pas de réformes. Pour le moment, je pense qu'il faut peut-être faire des états généraux, hein, d'abord, de l'éducation, pour savoir dans quel sens nous sommes en train d'aller. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va dans tous les sens. Il faut peut-être avoir aussi une politique qui va peut-être tenir sur 25 ou 50 ans. Parce que la question de l'éducation, ça ne se décide pas en 5 ans. Mais il faut peut-être avoir une politique prospective importante, acceptée par tous les acteurs, pour que réellement, que les 60 à 105% de taux d'alphabétisation qu'on a dans ce pays, qu'on puisse les transformer, les capitaliser pour que ça serve au développement. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un avantage énorme sur beaucoup d'autres pays, c'est qu'on a un taux d'alphabétisation et de scolarisation qui est très élevé, mais ça sert à quoi d'avoir des gens qui ont des diplômes, mais qui, qui ne peuvent pas devenir des acteurs du développement. Et aujourd'hui, pour le jeune chef d'entreprise que je suis, je le sens tous les jours. Les jeunes qui viennent, même pour des stages, ils ne sont pas en mesure de prendre des initiatives parce qu'ils sont dans un système scolaire où la marteau-thérapie, c'est comme ça que moi je l'appelle, la marteau-thérapie, on fait rentrer, est de rigueur. Et donc l'esprit d'initiative et l'esprit de prendre les décisions de soi-même, malheureusement, ne se retrouve pas. Et c'est grave pour la société togolaise tout entière. Nous reviendrons prochainement, sans doute un peu plus tard, sur cette problématique avec l'auteur lui-même et des spécialistes de la question de l'éducation. Nous mettons ici un point final à l'émission de ce soir. Merci à vous, professeur Kwakubi, et à Jerry Tama de l'autre côté pour ce duplex depuis la librairie L'Harmattan.
Nous remercions la librairie Lamartin pour le cadre qu'ils nous prêtent pour faire cette émission en duplex. Merci également à la librairie Star, bien sûr, où je me trouve ici. Et à vous tous, mesdames, messieurs, pour votre aimable attention. Prochain plateau autour du thème de la pensée unique et la faiblesse des hommes. Ce sera avec Kossi Selam et Soke Sala. Rendez-vous donc, si Dieu le veut, dans 4 semaines. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée chez vous. Au revoir. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.